Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un best-of Forge Magie. Bon visionnage. On va go là-dessus. Ah, mais j'ai plus de runes. J'ai pas de runes réécrites. Alors, ça, c'est un peu unlucky. Bon. On a 2, 3. On a plus 5,4. Plus 1, moins 9. Plus 94, on est à 94,4 depuis. Ça se présente pas trop mal. En vrai, les congruences sont bonnes là. Ce qui m'inquiète, c'est juste les réécrits. Voilà, j'aurais pas besoin d'en racheter en fait, c'est parfait. Ok, ça c'est cool. On va venir chercher les dos. Ok, on commence par un peu de crit pour se mettre en forme, c'est toujours pas mal. La fuite, non mais c'est comme ça, on économise le puits en fait, c'est full opti. Ça c'est ma technique spéciale. Je vais peut-être pas viser le perf force. Bon, je vais déjà monter à 50 force, moins 6. Là on a 86,4. Je vais garder la force pour la fin, pour savoir si je tente la rafo. Ou si je sécurise, elle a pas faux. On va mettre la Vita. Sérieusement, là, c'est ma vie, ça? Mais... On est dans une dimension parallèle, là, ou qu'est-ce qui se passe? C'est bien sur les pavés que je cliquais, c'était pas sur les ravis. Ou ni sur les runes vie. C'est quoi cette merde en fait? On se fait arnaquer un brisage PA comme ça, genre tranquille. Attendez, mais là c'est de l'abus là par contre. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Hein. À 282 comme ça? La pavie qui dit non en fait, c'est juste. Bah c'était bien la peine de crit les runes d'avant quoi. On va quand même compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah oui. Ça fait un moins 42 depuis, ça, je reconnais ça. Il reste 44. Mais on est où là? Vas-y, on va essayer de finir le brisage, mais je suis abattu. Je suis complètement abattu en fait. Ça partait tellement bien en plus. Il reste 20. On va aller chercher plutôt les 59 forces. Hein. Ce serait trop greedy de mettre de la rafo là. Il me reste 11. On va aller chercher les dos plutôt. Il me reste 1. Fini. On aurait pu sortir un nir perf si on s'était pas fait troller à ce point. Il manquait pas grand chose là. Une passa, un doer, une fuite. 42 de puits pour une pavie, mais on est où là? 90 de puits. Bon, j'ai deux options. C'est soit je vais Rasa et j'accepte un moins 2 sagesse, soit je full spam la passa et j'espère qu'il se passe un truc. On va voir déjà la ravie. Ok, ça commence bien. J'ai envie de forcer la Pacha. Peut-être la pire idée du monde, mais... Je veux voir ce qui se passe. 2, 3, 4, 5, 6... Ok, ça va, moins 18. Il me reste 61. Le truc, c'est que si je full spam la Passa... Je peux avoir full perf et éventuellement mettre une transe. Alors que si je crit une Rasa par exemple, j'ai 4 tentats de dommage distance. Et là on peut sortir à 2%, vous voyez ce que je veux dire? C'est tentant.
Allez, c'est parti. Le chat a tranché. Eh, ça aurait pu moins bien se passer. Hein. 8 depuis. Bah, en vrai, si j'ai le PA, ça prend une rune trans et c'est plié. Hein. C'est beau. Hein. Eh. Bon, c'est pas du full perf parce qu'il n'y a pas de neutre et il n'y a pas de pou, mais c'est quand même pas trop moche. C'est bien signé, tout est en règle. Et voilà, c'est pas beau. Allez, on y va. Bon, les PO, je compte pas trop. On va mettre la Passa, la Pacha. Hop. En soi, je pense que je vais accepter du moins moins 2 vita, ça devrait être ok. Bon, ça peut peut-être valoir le coup de compter pour voir si je peux mettre une pavipod. Du coup, on était à 48, rapidement. Hein. Moins 9, moins 3, moins 2, moins 6 et moins 10, il me reste 18. Non, en soi, je peux pas vie. Et je peux même doperdi. Et PO qui passe. Allez, ça ira, ça passe. Tac, dommage distance. Pour Enutroph, PVM. Et ça me servira aussi pour du farm de l'arène des voleurs, des trucs comme ça. 45 depuis. Allez, pas ça. Je vais 2 crit, bah oui, forcément. Je vais repair, Pacha, moins 9. En vrai, c'est pas trop mal. Allez, la Pado. Ah bah voilà, le crit Pado, le fameux 27. Nice. Il me reste 12. Oh. Ok, le PO. On a le PO. Hop. Passage d'une rune de transcendance dommage mêlée sur une corne de Torquelonia pour aller sur un Yop Terre PVP. Hop. Bon, j'ai mis ce kick à 2 crit, ce qui fait que je me retrouve à 18, donc je suis dans la sauce. Il faut que je le bourre à 20. Ok, tout va bien. Tac, ça m'aurait pu me taper beaucoup de puits. Il vaut mieux les laisser à 17 en général pour y aller à la padocrie, mais là, ça s'est bien passé. On va y aller sur... Ah, j'aurais dû en vrai commencer par rage, mais... Enfin, ça se discute, parce qu'il valait mieux que je bourrine ça, tant que c'était pas trop lourd. On va y aller comme ça. Je peux récupérer prospection. En vrai, je peux mettre des petites runes vie, là. Ok. Tout est normal, n'ayez pas peur. Une petite rune chat. Tac. Ça met que les pas passent. Mais attendez, mais ça c'est une tenta qui se passe bien, ça je reconnais. On va mettre les raises. Moins 12. Et il me reste encore beaucoup. Tac, l'APP. Moins 9. Il me reste 28. Soit 3 tentas pas ça. Nice. Est-ce qu'on a le PM sur ce jet? Bon, du coup, perf sur les lignes que je vise, donc pas le soin. Moins 1 sagesse uniquement. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On a le PM. On va tout de suite mettre la petite dommage sort. Bah voilà, c'est un peu plus clean que mes items 0 vita, 0 res que j'avais juste avant. Je vérifie que j'ai rien oublié dessus, mais ça m'a l'air clean. Je vais être très attentif à la prospection sur mes stuff PVM, parce que je vais taper beaucoup de contenu, donc ça va se rentabiliser sur le long terme. Et ça va toujours me servir aussi en farm, drop, PL, idol, etc., etc. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de faire l'effort de monter la prospection sur la nouvelle vague d'items PVM que je vais faire avec des jets beaucoup plus soignés que ceux que j'avais avant. Voilà, bah écoutez, ouais, la trans qui part. Alors idéalement, j'aurais pu le faire sans trans et juste en tryhard, puisque, comme je vous l'ai dit, idéalement, il me faudrait un PO dessus, donc le problème de la trans, c'est que je pourrais pas tenter le PO plus tard. Mais c'est pas grave, j'en referai à nouveau. Comme c'est des items qui sont très joués, avec un jet propre comme ça, même avec une trans, ça se vendra très très bien, il y a toujours plein de cracks qui farm qui peuvent l'acheter. Donc je ne perds absolument pas de camas en mettant la trans dessus, et ça me servira par la suite. Hop. 98 depuis, c'est pas mal du tout, la congruence est très bien. On va commencer par l'agilité.
qui passe. Alors j'ai pas grand chose pour récupérer l'over. Je pourrais bourriner les pavis, mais bon, c'est un coup à perdre du puits plus qu'autre chose. Ah, cela dit, j'ai aucune autre façon de les récupérer. Est-ce que j'y verrai pas la pavie? Non, c'est débile. On va mettre. Alors je peux pas mettre de prospection ni de sagesse. Et toutes les petites lunes. Toutes les petites lignes sont déjà maxées. Et écoutez, on va mettre une pas faux. Hein. Tac. Ok, on ne récupère pas. La vita qui passe également. Allez, il me faudrait un moins 5. Si j'ai le moins 5 ici, on peut aller chercher le full perf. Nice. La pado qui doit passer. Aïe, l'échec qui fait très très mal. Le crit qui récupère un peu. On est pas mal, on est pas mal. Et écoutez, ça se passe extrêmement bien. J'ai 38 encore. J'ai deux tentats de 10. Nice. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Sur ce full perf avec prospection, dommage distance, sans rune trans. Ça me mettrait hyper bien. Yes! Oh, qu'elle est belle! Oh, c'est magnifique. Bah, c'est... J'ai même pas payé la trans, quoi. Oh, ça régale, ça. Alors là, pour le coup, je suis hyper content. J'avais vu des jets parfaits HDV sur lesquels j'aurais pu caler une trans si j'avais voulu, mais il n'y avait pas la prospection max, et je voulais vraiment la prospection au max pour mes stuff PVM. Je suis extrêmement content de cet item magnifique. 94,2 de puits, on a les congruences parfaites pour un full perf. La seule question, c'est est-ce qu'on aura assez de puits, est-ce que le PA repasse, mais sinon c'est le full perf assuré là. Ok. Moins 10, la pote qui assure le père Vita. Ah oui, évidemment. Le crit pod, c'est assez rare, tiens, je crois que c'est peut-être bien la première fois que ça m'arrive un crit pod. Bon, il faut une première à tout. On va go maintenant sur la papuie terrible. On a moins 0,5. Allez, allez, moins 12. Là, pas de crit, il m'aurait fallu un crit, là, ça aurait été bien. Bon, après, ça va, il n'y a plus grand-chose à monter, vous me direz, mais... Oh oui, le crit. Oh là là, là c'est la dinguerie qui va sortir là. On y croit. Tout se présente hyper bien. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 41,8. Moins 12. Moins 4. Bon, je vais y arriver. 25, voilà. Donc j'ai 25 depuis. J'espère que je me suis pas planté, mais il n'y a pas de raison. On peut tenter une rune d'eau élémentaire pour essayer de gagner une tentade au perso. Type de feu. Un petit crit par exemple. On peut encore crit. Non. Bon. Donc on a une tentade dommage sort. Qui passe pas. Bon, j'ai une petite transe qui est prête. Donc si le PA repasse. Ça prend sa transe, on est quand même sur un full perf, sur un item qui est pas évident à faire avec des congruences pénibles, notamment la puissance et les pas de cri. Donc si on a le PA là-dessus, ça régale. Est-ce qu'on a le PA, les amis? On a le PA. Bah écoutez, en ce moment, ça y va fort. J'ai même pas signé, c'est vous dire. Pour que je signe pas un item, faut vraiment que ça s'enchaîne. Voilà. Tac. Bon, bah j'arrête pas de sortir des full perf en ce moment, donc on va faire des items plus durs et espérer que ça continue dans le même style. 91 depuis. On va ravi. Je vais go pas faux, et pod. En vrai, on est sur un full perf là. Moins 10, bon j'ai plus 0,1 mais ça à la limite ok. J'ai pas grand chose à faire des 3 adorables là, je vais mettre une rune prospection. J'en trouve une. Allez, la sagesse qui passe, nice, moins 9. Ouh, on a une belle tenta encore là. 62, c'est 4 de perdu sur du... J'allais dire du full perf, mais bon, vu la gueule de l'item, c'est du la restriction de l'item aux lignes qui m'intéresse et perf. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, 4 runes, c'est parti. On veut du vert, évidemment. Et là-dessus, on aura le PA, c'est évident. C'est la vie, en fait.
Allez, on a quand même un truc à peu près clean. L'item est signé, normalement. Est-ce que j'ai vraiment envie de signer ça? Je sais pas trop. Repassage PO sur l'amulette Valet Vénard d'un abonné, qui fait comme moi du double puits PA-PO, donc le PA est passé. Est-ce qu'on a le PO sur ce moins de sagesse 4% R? On a le PO! Eh ben écoutez, je suis bien content pour lui. Très très bel item, hein. Vraiment très très bel item. Bon, ça se fait souvent, hein, des colliers Valet Vénard 4%, mais bon là, c'en est un joli. Et c'est très propre. Bravo à lui. 95 depuis. Allez, nice. Moins 10, on récup. Comme ça. La passa. Allez, c'est maintenant. Aïe, 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 aïe. Moins 36, ça picote. On perd beaucoup là-dessus. Il nous reste 34. Ah, c'est pas ouf, hein. Le PA. Je cherche ma rune. Alors, dos permet, c'est où? Je vais me la caler là. Alors, idéalement, il me faudrait du dommage sort pour aller sur le sacrilleur. Mais le dos permet me servira aussi sur le yop. Donc, on met du dos permet. Si ça crit, on a un truc très très stylé. Allez, c'est parti. Et pas d'œuf. Et là, il y a un monde où je casse le PA avec la ravie. Et là, c'est insane. Et là, on va chercher le 505. Oh, comment j'y ai tellement cru. Non. Bon, bah, tant pis. On enchaîne. 94 depuis. Allez, hop. Les rafos sont plutôt conciliantes ce soir, on va dire. Ok. Alors, pour la Vita, j'aurai 20 d'over. Il faudra que je vire 3. Je gérerai ça à la fin. Il faut mettre la passa maintenant. Nice, ça passe. Ok, on a une très très grosse tenta, les amis. Ça se présente hyper bien. Le crit. Moins 10. Le tacle. Elle est magnifique. J'ai 6 ravis. Reste 31. En vrai, il faut que je mette une sagesse. Et là, il m'en reste 3. Allez, on peut aller chercher le 505. Allez, allez, la dernière. On y croit, on y croit, on y croit. 505. Oh la dinguerie. J'ai tellement tryhard, je suis allé la chercher, j'ai tellement mérité. Allez, c'est quoi, c'est un PA? Oh là là, alors là, le rythme cardiaque qui fait un petit pic, c'est un PA. Ça sert à rien de regarder l'item 10 ans, il faut cliquer. Oh là 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 là. C'est dommage. 91 depuis. Moins 20. Hop. J'ai vu un accept 79 dans le chat. Pas de ça chez moi, je vous le dis tout de suite. Allez, le crit. Moins 20. Moins 6. Bon. Ah, c'est une belle tenta, ça, c'est bien. Moins 6 à nouveau. Moins 4. Ok, on a 35. Ah bah voilà, on a gagné une pavie. Bon, évidemment, on va pas en passer, mais... Et évidemment, dès que je m'en fous, j'ai le PA. C'est la classique. Bon, on a quand même un full perf, là. Enfin, un full perf sans le retrait, évidemment, mais... Si on crit la 2 permet, c'est cool. Pas d'œuf. Est-ce qu'on casse le PA? Non plus. On continue. 96. Alors. Je peux pavie. Ravi. Ah, j'aurais dû mettre la rafo avant, peut-être. Ouais, comme ça j'aurais pu récupérer dessus, bon c'est pas grave. On va y aller comme ça. Hop. Ouais, ça aurait été mieux de... Comme ça j'aurais pu mettre la pavie sur l'overforce là, ça aurait été un peu mieux.
Alors, on va mettre une pacha. Tac. Une passa qui passe. C'est pas mal. Le crit qui crit. Et on s'en sort très très bien. J'ai 39-6. Alors, là, ça vaut clairement le coup de recompter un peu le puits. J'avais compté à partir d'ici. D'ici là. Là, j'ai moins 1. Là, j'ai moins 2. Donc, j'ai moins 3. Et là, j'ai... Et oui, j'ai durable. Ok, vas-y, on a 4 avis. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir, il y a 4 avis. J'ai jamais douté. On a le PA. Est-ce qu'on a le petit... Le petit dommage mêlé. C'est ça la question maintenant. Ah. Est-ce qu'on casse le PA? Non plus. On continue, tant pis. 96 depuis, l'attentat est plutôt belle. La sagesse va être le plus dur à remonter. Moins 9. Allez, il y a des grosses runes à passer là. Ok, on a un peu de crit, c'est pas trop mal. La sagesse, please. Oui! Moins 9. Écoutez, ça se présente pas mal du tout. Moins 5. J'ai 53 de... Oh là là, je peux avoir une pavie. Je peux avoir théoriquement le full perf 505 là. Allez, la pavie. Ok, dommage. Bon, on peut jouer pour du 490, ça reste stylé quand même. Ouh, ça me plaît ça. Alors écoutez, là il reste littéralement 22 puits en fait. C'est pas mal. Alors 22 puits, qu'est-ce que c'est? C'est techniquement, c'est 6 pavis ça, non? Entre nous. Est-ce que je peux avoir un petit cri de pavis, s'il vous plaît? Terrible. Et il reste de rester 2 runes vie. Bon, eh, je réessayais, hein, vraiment. Pas de gâchis ici. Le PA là-dessus, bon, ça reste un très très beau jet, une très très belle tenta. On n'a pas le PA. Très belle tenta à 98,4 de puits. Ça peut vraiment donner du perf 501 de vita, ça me plaît beaucoup. Il faudra juste que la force trolle pas. Et effectivement, elle ne trolle pas, j'ai pas l'habitude, je vous avouerai. On va mettre la petite rune réfixe. Allez, le crit, c'est maintenant. Oui! Oh là là, l'attentat est énorme. L'attentat est énorme, les amis. Elle est colossale. Alors, non. Non? Non, c'est pas maintenant, en fait. Mais... Bah, je viens de perdre 4 avis, quoi. Voilà. Là j'allais écrire une ravie, là, juste maintenant. Mais je me le suis fait voler par le dos neutre. Vous êtes témoin, hein, je me suis fait racketter, là. Je me suis fait racketter ma tenta. Hein. Évidemment, le PA repasse. Bah forcément. C'était sûr, c'était celle-là où je devais finir le FM, en fait. Je l'avais vu. Pas de crit. Est-ce qu'on a la ravie? Non. Terrible, je suis abattu. Je me suis fait voler. 97 depuis... Bon, la force est souvent à 75 quand ça tombe, donc c'est pas trop mal. Il faudrait pas que ce soit plus, parce qu'après les overs sont vraiment pénibles à passer, et encore que des fois ça me tape déjà beaucoup. Allez, le crit qui passe également, c'est pas trop mal, si les dommages sont pas trop capricieux. Et ben voilà, il suffisait de demander. Moins 5, on n'oublie pas le petit repère, moins 6. Oh, elle est belle, elle est très très belle. 66, nice. Allez, on va baisser ça tout de suite. Je vais mettre une petite rune chat. Allez, on peut viser le 502. Il me reste 56-2. Ah, dommage. On a le PA. Est-ce qu'on a un crit dommage mêlé, les amis? Pas de crit dommage mêlé. Est-ce qu'on arrive à casser le PA et repartir sur une énorme tenta avec une ravie? Oh, j'ai cru, j'ai vu la petite ligne rouge là, mal visée. Bah écoutez, non. Bon, tant pis, on continue. Tenta très intéressante, il faut passer la PAFO. Moins 6, c'est pas mal. La RAFO. Ok, ça troll pas trop. On peut monter à 435 en over et récupérer moins 30 sur la REFE.
Et ça peut donner un truc très sympa. On peut taper les 505 là-dessus. Allez, on y croit. Le crit qui passe pas, moins 9, moins 9. Ok, c'est pas mal. Le crit qui récupère. On va donc garder le repère. Tac, tac, moins 5, let's go. On est à 64. Ok, ça peut être vraiment très très beau. J'ai moins 20. Et là, il me faut un moins 30. Bon, moins 31, on prend aussi. Il reste 44. Allez, 3 tentats les amis. Yes! Oh là là, et vous voyez le Theory Craft dans la tête là. Hein. Je calcule. Hein. Je mets pas les runes au hasard. Hein. Pour ceux qui croiraient encore que la FM c'est du hasard, faut juste de la chance. Je peux vous dire que je l'ai anticipé le 504 là. Je suis allé le chercher. Allez. Allez, allez. Ça fait juste 3 jours que je suis sur l'item. J'en ai d'autres à faire. Donc si ça pouvait passer, ce serait quand même pas mal. Le PA, les amis. Et on continue. 99,4 de puits. Bon, c'est un peu dommage, ça tombe sur une pataque qui prend déjà beaucoup de puits. En échec critique. Allez, pas faux, moins 9. Pataque, il me faudrait un crit, voilà. Hop. On retombe un peu sur nos pattes. Reste 65,4, c'est pas trop mal. Je suis bête, j'aurais dû mettre un dommage avant. Complètement con. Bon, bah 5, 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, on est plus tout à l'heure dans le chat, là ça m'explique par A plus B qu'il faut mettre le payant en premier parce que la dernière ravie passe forcément en crit. J'ai même pas pris la peine de répondre, mais voilà, on a l'illustration que ça peut passer un succès neutre. Donc le PA, allez, c'est maintenant qu'il faut le remettre. J'y crois même plus là, c'est bon, je suis au stade où je suis blasé. Et voilà, pas de chance, on continue. Ok, c'est pas mal du tout en vrai. On a donc 96, au-dessus on avait plus 1. Là, on a plus 0,2. Au-dessus, on a plus 1. Et là, on a moins de chance. Donc, a priori, on était tombé à 0. Donc, 96,2 depuis. Bon, le seul truc un peu tricky, c'est la Vita. On va over tout de suite. Nice! Nice, nice, elle est belle. Là, j'ai donc... Je peux spam le Lini pour espérer avoir 2-5 et 2-6. Je peux y aller à la pod. J'ai plusieurs options. Le truc, c'est qu'on pourra avoir le perf sur toutes les lignes les plus importantes. Comme c'est pour un sacré hurter, hein, la voix haut sera secondaire. Donc je vais tenter Lini. On va tenter d'être joueur un peu et on va essayer d'aller chercher les 400 piles. On va voir comment ça se passe. Moins 5. Moins 5, ok, c'est de la merde. On va go pod en espérant que ça tape dans la Vita. Ok, c'est très très correct. Franchement, j'ai bien géré le truc. Je me suis dit, en fait, j'ai fait un raisonnement arborescent en me disant si j'ai du moins 6 inni sur une des deux premières, j'y vais full inni. Si j'ai 2 moins 5 inni, je mets une pod et j'espère qu'elle tape la Vita. Comme ça, je limite à moins 1. Et là, j'arrive à 399 en partant de 422, ce qui est excellent. Donc on est à plus 0,1, ça c'est super, on va mettre le dos neutre, qui crit, les récrits, je vais les monter à 19, donc là on a plus 0,3, les pods, un pod c'est 0,25, donc j'ai plus... J'ai plus 0,3 plus 1,75 moins 2. Donc j'ai 86,35. Là par écrit qui crit, on va mettre le tacle. Parfait.
Donc j'ai plus 0,7, plus 0,75, moins 4. 83,8. Allez, on met les grosses runes maintenant. On va commencer par l'Arafo. Moins 10. On va mettre les raies maintenant, je pense. Moins 18. Les récris. Nice, moins 6. Les amis, ça se passe tellement bien. Je vais d'abord mettre toutes les lignes dont j'ai vraiment besoin, parce que là, j'ai beaucoup d'items à faire avant de pouvoir jouer avec mon Sacrilleur Terre, et j'aimerais beaucoup pouvoir le jouer le plus vite possible. Donc je vais d'abord m'assurer d'avoir un jet avec lequel je pourrais jouer, et on terminera par la voie haut, dont je me servirai uniquement pour utiliser le sort Projection, qui sert à se déplacer et qui peut éventuellement mettre des petits dégâts aux ennemis, mais ce sera vraiment secondaire. Donc on est parti, dos terre, dos neutre, moins 20. La passa. Nice, elle passe, c'était la plus grosse, il reste 20. J'ai deux rachats. J'ai deux tentes à rachat, une tente à dos haut. Allez, la rachat, faudrait vraiment qu'elle passe. On peut avoir les deux. Hein. Dommage. Dommage, il me manquera un dos haut. C'est un peu triste. Mais je dois dire qu'elle est absolument magnifique. Vraiment, petit regret qu'on n'ait pas eu le petit dos haut. En plus, ça aurait fait un jet absolument monstrueux. Mais là, on est déjà sur quelque chose de très 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 propre. C'est vraiment pas un item facile à faire. C'est magnifique, tout simplement. Je suis hyper content. L'item sort de nulle part, on vient de me le donner. Ça me fait trop plaisir. Et ça me fait une case que je peux cocher dans le stuff de mon sacrilleur. Donc ça me rapproche de la reprise PVP avec une nouvelle team. Et ça me régale, donc merci aux abonnés qui me permettent d'avoir ce genre de petit coup de boost de motivation et de morale, ça fait trop trop plaisir. On met la petite dommage sort dessus. C'est bien dommage sort, hein, je me suis pas trompé. Hop. Magnifique. 93-3 depuis. Le crit, qui crit, le repair, qui crit, les dommages. Ouais, j'ai failli y croire au full crit, mais c'est une méga tenta ça. On a 83. On va tenter la pavie, qui permettrait d'arrondir un peu. Les amis, on a 8 ravis. Je veux rien savoir, on a un 492 là. Et voilà. Du coup, j'ai eu moins 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai eu moins 60, il reste 20, donc là les pavis ne passent plus, on a 20 runes vie, je veux rien savoir, je veux rien savoir, on a 20 runes vie, j'espère que je ne me suis pas planté, mais je pense pas en vrai. Ok, pas de ligne rouge, tout va bien. Est-ce qu'on a le PA les amis? Si on a le PA, c'est la fin du FM. On n'a pas le PA. 92 depuis. Allez, la RAFO. Nice. Moins 10. La Vita. Il va falloir que j'enlève 30 tout pile. Ça peut valoir le coup de garder le repère feu. On va y aller comme ça, du coup. Hop. Allez, le crit. Qui passe. Nice. Moins 8. Ça se présente plutôt bien pour l'instant. On a moins 5. Oh, elle est belle. Moins 4. 65. Je peux tenter un crit d'eau. Non. On a 60 donc. 1, 2. Donc là j'ai eu moins 25. Il me reste 40 tout pile. Là il me faut le moins 30 et que ça passe. Il me faut un succès neutre à tout prix sinon je suis dans la merde. Voilà, parfait. Et là on a 4 avis pour aller chercher les 505. Allez, 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 allez. J'ai 3 attentats pour 505 les amis, c'est maintenant peut-être. Oui! Pardon, j'ai parlé fort dans le micro. C'est mon 67e puits PA. Et c'est ma deuxième tenta exactement sur ce jet. J'avais déjà eu un moins 1 sagesse, 505 de vitalité. Il est tard, s'il vous plaît, je voudrais vraiment, vraiment ce PA. Ça commence à faire beaucoup là. Je préfère pas imaginer le nombre de Kama que j'ai déjà mis en rune. J'ai vraiment besoin de ce PA, ça me ferait du bien que je puisse passer à la suite, s'il vous plaît, le PA. Oh, ça fait mal.
Bon, bah, next, hein. On sort d'une session de test des mécaniques renvoi de dommages. Pour la peine, j'ai eu pas mal de sulics qui m'ont été gracieusement offerts par un abonné. On va passer ça au brisage pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais en garder juste un. C'est lequel le meilleur? On va dire que c'est lui. Allez, est-ce que je fais un focus ou pas? Non, pas de focus. 2 millions 6 de runes! Ah, c'est pas mal ça. Ok, ça régale. Et donc j'en garde un pour faire mes tests, pour regarder un peu les mécaniques. Et les amis, l'heure est venue de me séparer de cette épée du Bubassi qui m'accompagne depuis 2014. Ça fait 7 ans. Je l'avais acheté très très cher pour ma panopode. Et à la prochaine mise à jour, elle va disparaître. Je vais prendre 5 secondes de silence pour me remémorer tout ce que j'ai vécu avec elle. Ce fut un plaisir d'être compagnon de route de cette belle épée. La petite larme. »97 depuis. Quel plaisir de casser le PA en arrivant au G-Max de sagesse. Ça, c'est toujours quelque chose qui me fait beaucoup d'effet. On va go ravi. Oh le crit, allez, il me faut le moins 10. Je vais presque le mettre en fait à l'arrêt fixe, mais pas à récri. Ah, le moins 11, non! Coup dur. Alors là, je suis abattu. Bon. Que faire? En vrai, on va m'arrebooter la vita, hein, je pense. Moins 20, il me faut moins 49. Je peux y aller comme ça. Moins 26, ok, parfait. Il me faut moins 10 et une pod. Et vous pourrez pas dire que je vais pas chercher les tentas full perf. Hein. Vraiment, je m'applique. Hein. Là, c'est une masterclass full perf. Hein. Moins 10. En vrai, il reste 60 et se contenterait pas d'avoir un petit 3% crit. Entre nous. Entre nous. Allez pour le beau jeu. Ah, est-ce qu'on a le PA, les amis? On a le PA. Alors, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je suis embêté en vrai, mais. Bon, le meilleur truc que j'ai à faire, c'est de casser le pourcent crit. La question, c'est comment je le casse. Moi, j'aurais bien vu un petit 3%. Hein. Là, l'idée, c'est de casser le 2% crit pour. Ouais, rune soin, on me dit, c'est une très très bonne suggestion. J'aurais été tenté de tenter un crit en fait de pourcent de dommages mêlés, ce qui aurait été full opti. Mais je pense que le soin c'est le meilleur call. Bon, évidemment, j'ai pas mis rune soin. Là, j'ai le problème en ce moment d'avoir trop de runes par rapport à mes pods, et donc je peux pas tout prendre d'un coup. Mais voilà, on peut juste prendre les soins. Hop, on va y aller aux soins, c'est le plus safe. Mais moi, bon, j'ai pas de regret d'avoir tenté. Hein. Bon, y a une toute petite possibilité que ça me flingue mon gir en essayant de baisser l'over. Mais en principe, voilà, je voulais tenter le beau jeu et me dire il y a peut-être un monde où je fais un 3%. Parce que le truc, c'est le 2% on l'a avec la rune trans en fait. Donc, allez. C'est ici. Bon, elle est belle. Hein. Elle est belle. Allez, le rune soin, il faut pas que ça fasse nimp. Et c'est là que je lâche mon meilleur cri de soin. Parfait. Et la petite rune de trans, du coup, 2%. Bon, bah c'est magnifique. 90 depuis.
La petite Rafo, nice. Ok. L'attentat se présente plutôt bien en vrai. On a 66 là-dessus. 60, parfait. Elle est très jolie. Hein. Allez, oh le crit. On aura du rab. Oh le double crit. Oh, même pas le triple crit. Et le PA. C'est dommage, j'ai crit sur les deux où j'avais pas besoin de crit, mais la troisième j'aurais bien voulu un crit quoi. La petite rune de mage mêlée, est-ce qu'on peut avoir le crit là-dessus les amis? Est-ce qu'on arrive à casser le PA direct? Oh j'y ai tellement cru. J'y ai tellement cru. Et non, on continue. Bon, le PA qui tombe sur un échec critique Patek, ça régale pas trop, ça annonce pas une belle tenta malheureusement. On va voir quand même ce qu'on peut faire avec. On va garder de quoi passer une PA vie peut-être. On va gérer la vita en dernier, on a moins 20. On va retenter le crit Patek, voilà, parce que le G était très bas. Pas trop le choix. La passa, moins 9. Le crit tacle à nouveau. Le crit crit, alors celui-là il met très bien, il n'était pas très attendu. Le reste, c'était obvious, évidemment. Une, deux... Trois, quatre. J'ai failli misclick sur le PA, je sais pas si vous avez vu. Ça aurait été un peu triste. Il reste 30. Ok, pas de pavé qui part. Une, deux et trois. Et on a le PA. Est-ce qu'on a un dommage mêlé en crit? Non. Est-ce qu'on casse le PA direct? Non plus. On continue. 97 depuis, la force un peu problématique, sauf si ça passe direct, mais moins 30. Aïe. Bon, fallait y passer, hein, y avait pas trop le choix. On va go do crit. Ah oui, d'accord. J'ai presque envie de mettre une pavie, mais... Mon reliquat. Ok. Donut, ce serait bien qu'il crit. Et voilà. 64. On peut pas vie. Et si ravi, ça peut faire un truc sympa là. Bah voilà. Bon. Oh, attendez, vous avez cru que c'était fini ou quoi? Alors, on a 64. Je pense que j'ai 24. Je vais recompter parce que je suis très fatigué là, il est tard. Et j'ai pas envie de foirer cette belle tenta, donc je vais prendre 2 minutes pour recompter. Alors, on avait ici une rune tacle. Avec 2 sagesse, donc j'ai 2. Ensuite j'ai plus 1. Ensuite j'ai plus 94. Ensuite j'ai moins 30. Ensuite j'ai moins 3. Ensuite j'ai moins 40. Il reste 24. Et bah c'est parti. Hein. Je veux voir un 505. Allez, on a un crit, il reste une tentative de plus. Là faut être sûr d'avoir bien compté là. Ok. Bon les amis, ça commence à faire un peu de temps que je suis sur l'item quand même, si je pouvais avoir le PA, ce serait pas mal. Hein, je vous avouerai. Bon, dommage de 48 sagesse, mais... on prendra, hein, on acceptera. Est-ce qu'on a le PA? Évidemment. 95,4 depuis. Ok, ça commence très bien. Oh, mais attendez, c'est une tentade malade, ça. Je viens de me rendre compte. C'est une tentade dingo. On part directement sur la vita, en fait. On a littéralement... on a littéralement 8 ravis. Alors là, je veux voir un 503 qui pop, là. Sinon, c'est de l'arnaque. Voilà. Bon. Malheureusement, on pourra pas aller plus loin avec le reste. Je suis en train de me dire, je suis peut-être un peu... Est-ce que j'aurais pu gratter plus de vita de 403, est-ce que j'aurais pu monter à 405? La réponse est certainement oui. Je suis peut-être pas très malin. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais...
Du coup, j'aurais pu. J'aurais, parce que j'avais 6 de puits en rab avec l'INI. Donc j'aurais peut-être pu tenter deux pavilles et essayer de bricoler pour viser 505. Bon. C'est. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir ce PA, s'il vous plaît? Ça commence à devenir un peu long. Les amis, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 95 de puits. Lara, faut qu'il passe. On récup l'over. Il va falloir que je vire un petit 25. Bon, ça se tente à l'eau de crit, ça. Le crit. C'est pas mal. Moins 6. L'attentat est énorme. On est à 79. Ravi. Moins 20. Faut vraiment pas que ça troll. Hein. Il me faut un succès neutre. Nice. Les amis, on a 59 là-dessus. C'est pas impossible que j'ai un peu de rab avant, en vrai. J'ai pas trop compté. Là, j'ai moins 2 sur la ligne là. Eh ben carrément, en fait. J'ai plus 6, là. J'ai plus 4, en fait. J'ai littéralement 63. Donc, on est parti pour 6 tentats. C'est peut-être maintenant que ça se passe, hein. Et non. On a le PA. Oh, j'ai pas pris mes runes, dommage mêlé. Je suis abattu. Je vais les chercher et on tente le crit dommage mêlé. Est-ce qu'on a un crit dommage mêlé sur ce joli G? Et non. Est-ce qu'on arrive à casser le PA directement derrière? Non plus. 90 de puits. On va commencer par la rafo qui passe, nice. On va récupérer sur du taux crit qui ne passe pas, la petite rune chat, ok. Un petit crit, moins 10. Alors pour la vita, je vais avoir 23 à enlever donc c'est parfait. On va gérer ça à la fin, on va mettre le crit, ok moins 10. On se prend du succès neutre, c'est pas mal du tout, sur des grosses runes comme ça. En vrai, c'est pas dégueu. Il me reste 50 là-dessus. On va mettre une ravie. Et là, il faut que j'enlève... il me faut une réfixe. Ok, qui passe pas, c'est parfait. Et la pod, magnifique. Magnifique. Il reste tout pile 4 ravies. Allez, il m'en faut 2. Et j'ai un 505 vita. On y croit. Allez. Allez, j'ai tenté le beau jeu. Évidemment, on a le PA. Est-ce que on a la petite rune dommage mêlé qui va passer en crit? Et non. Est-ce qu'on casse le PA direct avec la ravie? Oh, j'y ai cru. Non. Oh, on peut retenter. Toujours pas. On continue. Tentative de crit ravi sur la belle amulette de mon ami Freebox. Est-ce qu'on a un crit? Pas de crit. 94 de puits. Allez, la force. Ok, moins 20. Le crit. Nice. Allez, deux passas, ce serait bien. Moins 18, c'est correct. Pour la vita, il va me falloir un moins 16. Bon, moi, je vais gérer ça à la fin. Hein. On va mettre un tacle. Le repair, le dommage, moins 5. Le crit, ok, on a 47. Moins 10. Ah, en vrai, si toutes les inis passent, c'est que j'ai un moins 6 et deux moins 5, on aura encore 4 tentats ravis. Ok, bon, bah, du coup on a 48. Est-ce que j'avais un peu plus résiduel d'avant? Je pense pas, en vrai. Non, c'est peu probable. Donc on va dire qu'on a 40... Enfin 38 du coup, ouais. 38, je peux tenter 3 ravis. Pas grand chose de plus à faire. Ok, j'ai 2 tentats pour aller chercher le 505. En plus c'est du full perf là, sur les lignes qui m'intéressent. Ce serait magnifique. Est-ce qu'on peut avoir la petite ravie qui passe? Oh là là, yes! Alors, les amis, on est le 11 janvier. Je suis sur cette amulette depuis
fin novembre. C'est pas une blague. Hein. Là, c'est la première fois que j'ai un 505 Vita avec 50 sagesse. C'est la toute première fois en 3 mois. S'il vous plaît. Est-ce que je peux capter toutes la bonne, les bonnes ondes que m'ont souhaité les gens qui m'ont dit bonne année 2022 pour les mettre sur ce PA? Là, vraiment, ça me ferait vraiment du bien que ça passe, je vous avouerai, parce que ça fait vraiment longtemps que je suis dessus et ça commence à être usant et surtout à bloquer tous mes projets. Levez tous les mains dans le chat, donnez-moi votre force. Ça peut se passer maintenant. On n'aura pas cette chance cette fois-ci. Ah, je suis abattu, c'était vraiment... Là, c'est... Ouais. C'est la première fois en à peu près 120 plus PA que j'ai le 505 Vita avec 50 de sagesse. Dommage. C'est la fin de cette vidéo Best of Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.